Intégrant la réflexion sur la bibliothèque de demain portée par Nevers Agglomération, la bibliothèque de la Nièvre a proposé une semaine de création design aux jeunes de Pougues-les-Eaux. Organisée à la bibliothèque de Pougues avec le centre social et bénéficiant du soutien de l'Europe et de l'État, cet atelier a impulsé une véritable démarche participative. Imaginez la bibliothèque de demain selon les attentes de ses futurs usagers. Et en plus, là, c'est toute la récupération, ça. L'atelier, constitué par des groupes de deux jeunes apprentis architectes, a bénéficié des conseils de Marie-Christine Collet, créatrice de meubles en carton, et de Luc Tessier, étudiant en informatique, réalisant ainsi la rencontre entre la révolution numérique, le design et le développement durable au service de la lecture publique. Leur vision de la bibliothèque de demain explose entre vastes espaces ouverts sur l'extérieur et multiplicité des ressources disponibles. En intégrant des espaces de loisirs tels que piscine ou aires de jeux pour bébés, la bibliothèque se replace au centre des activités sociales et culturelles. La réflexion sur le mobilier de cette bibliothèque de demain est matérialisée par la fabrication d'un fauteuil évolutif en carton, réalisé par Marie-Christine Collet, d'après les plans 3D issus de l'atelier.